Choose your character! Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode numéro 27 sur Marvel's Guardians of the Galaxy. Nous sommes toujours sur le vaisseau de Wrecker, hein, le prêtre qui a un ticket d'or sur la gueule. Et on a sauvé Warlock, on a libéré Warlock, le dieu doré, et aussi le Warman qui est venu nous sauver, hein, qui m'a évité une grosse phase chiante avec des gros robots géants. Et entre temps, j'ai aussi changé les costumes pour mettre les meilleurs pour la fin. Parce qu'on arrive bientôt à la fin, hein, somme toute. Des gardiens du film. Voilà, c'est parti, mon kiki. Allô, sauvez la galaxie. Wouhou, et dans les meilleurs costumes. Pardon, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelque chose ici? C'est fermé, hein. Oui, c'est fermé. On va mettre du rouge pour dire que c'est fermé, quand même. Oh, comment ils sont beaux, comment ils sont magnifiques, comment c'est trop bien. Bon, leurs costumes aussi en or, ils étaient jolis, hein. Mais le film, mon dieu, bon sang, bonsoir. C'est les meilleurs. Allez, on se bagne. Putain, il a un bouclier. Réjouissez-vous. Vous arrivez juste à temps pour le grand miracle. Grand unificateur, pouvez-vous les tenir en place, qu'ils soient témoins? Volontiers. On a assisté à un procès, on est témoin de quoi? J'ai assisté à aucun meurtre pour l'instant. Enfin, s'il y a eu pas mal de meurtres de masse, mais venant de notre part. Si la juge, c'est une gosse, je crois pas qu'elle a l'âge, hein. Oh, il y a des mages qui trichent. Il y a des mages qui trichent. Ils ont les pouvoirs et tout. Ils peuvent guérir les gens. Ça va être chiant. Ah bah super. Le gros monstre qui viole les trucs sans consentement, eh ben, il est là. Il viole, maintenant les objets aussi. Oh putain, il est venu au biophile. Oh putain. Et le dragon aussi, il est devenu zoophile. Oh non, pas les Nielbender. Eh, mon vaisseau. Oh, la grosse mimine. Excellence, combattez la douleur. Accomplissez la promesse. Monstre. Mantis. Mantis, où est... Je vous écorcherai. Groot, regarde. Je s'appelle Groot. Oula. Peter, on peut la sauver. Ah, je veux bien, mais il utilise un truc magique. Eh, le bouclier a disparu, on dirait. Est-ce que tu m'entends? Elle a besoin de ton aide, Peter. Oh, la cape, elle est bien à plat sur un truc invisible. Ça, c'est un bon magicien. Ah. Concentre-toi sur moi. D'accord, je concentre sur sa main. Je vais pas quand même prendre la main de ma fille, c'est dégueulasse. Papa. Allez, lève-toi. Oh non, on va se retaper encore ça. Qui? Il faut tout préparer pour maman, elle va bientôt rentrer. Allez, lève-toi. Quoi? Ah non. J'ai déjà vécu ça, putain. Oh putain, si là, le réveil commence à sonner, ça fait « Bonjour, trappeur, et au liqueur !» Putain, je vais commencer à péter un câble. Ça y est, c'est un jour sans fin, pardon, c'est un jour sans fin. On revit la journée de la marmotte. Wouhou, super. Pour ceux qui ont la ref. Faut que tu m'aides. Maman va bientôt rentrer déjeuner et tout doit être parfait. Nikki. Son anniversaire. C'est aujourd'hui. T'as encore oublié? Papa. Écoute-moi, d'accord? Rien de tout ça n'est réel. T'es sérieux? Papa!
Tu m'avais promis de m'aider à lui préparer une surprise. Non, pas du tout. Oui, tu m'as dit que tu m'aiderais à réparer l'holoprojecteur et il faut mettre des bougies sur le gâteau. Et je retrouve pas son cadeau. Il a déjà fait ça 30 Nicky. Fois, c'est bon. Tu peux le faire toi-même, bordel de merde. Tu fais rien en plus, on l'a vu. Tu regardes si c'est bien cuit, c'est tout. Tu ressens pas une impression de déjà-vu? Non, je l'ai commandé sur la planète à pâtisserie. Ce passage a toujours été bizarre. Mais non, je l'ai fait. Mais ok, non, ça, il ne reste plus que le cadeau et le... Ok, Nicky. Et si je te disais que rien de tout ça n'est réel? Bah, non, c'est pas normal. Il y a un problème de mise au point. Tu peux arranger ça? Ok. Bon, d'accord. Ça, c'est cool. Ça rend super bien. J'étais sûre d'avoir raté un truc. Écoute pas. En parlant de trucs ratés... Ouais. C'est Ala et le système autour. Je crois que j'ai oublié aucune lune. C'est magnifique, Nicky. Il ne manque plus que le cadeau. Il doit être quelque part dans ma chambre. Alors allons-y, c'est chiant. Joyeux anniversaire, tendrement, Nicky et Peter. Mais ça, on l'avait déjà lu. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu l'as trouvé? Oui. Cool. Par contre, mets-le avec les... J'adore le... Super. Là. Le papier cadeau. Mets-le sur la table. Très très beau. Est-ce que ce que je dis a la moindre importance? On l'a acheté ensemble, sur Nowhere. Tu sais, au marché où on est allé et où elle a vu ce tableau de Krillar. Ouais, ça répond à ma question. Est-ce qu'on peut parler maintenant? Je crois, ouais. Comment c'est? T'es vraiment à fond dans la promesse. Merci, papa. Je t'aime. Putain, mais t'écoutes vraiment rien, c'est comme les gosses de nos jours, quoi. Peter, ouvre la porte. C'est maman. Je vais vérifier que tout est parfait. Fallu ouvrir. Bon, on répète encore les choses. Oh, je suis super content de te voir. Il se passe des trucs de barge. Nicky tourne en boucle, peu importe ce que je lui explique. On doit absolument lui parler tous les deux, d'accord? Peter... Oui, je sais, il nous faut un plan. Il n'y a pas de nous. Ok, je sais. Écoute, j'ai pas mal merdé par le passé. Peter... Si on veut s'en sortir, on va... Je suis morte, Peter. Ouais, mais... Mais pas morte, morte. J'ai entendu ta voix. Non, tu m'as amené ici, je te vois maintenant. C'était un bug ou c'était exprès? Je ne suis qu'un fantôme. Je suis méchant, c'était exprès. Une partie de moi survit dans la pierre de l'âme. Mais rien à voir avec le réel. On va trouver une solution, il y a peut-être un moyen de... C'est sur elle que tu dois te concentrer. Aide-la à accepter que je ne reviendrai pas. Ça, c'est dur. C'est juste... Le deuil, c'est très dur à accepter. Que j'aurais aimé que tu m'en parles. Te parler de quoi? Me parler de Nicky. Tu sais, toi et moi, 12 ans en arrière... Oh, Peter. J'ai fait le calcul. Sa promesse est fausse. Oui, je sais, mais le reste est vrai. Non, tous les deux, sur Mercure. Je me rappelle cette nuit-là. On avait oublié les capotes. Mais Nicky n'est pas ta fille. Elle n'est pas mon enfant. Ouh ! Je veux dire, oh, dommage. Je comprends pas. C'est une orpheline de guerre. Durant le rapatriement, le Conseil Kree éliminait ceux dont le sang n'était pas assez pur. Nicky était... une petite fille innocente. Je ne pouvais pas les laisser la tuer. Alors, je suis pas... père. Non. Pas le sien, en tout cas. Wow, plot twist. Ok. Mais elle a besoin de toi, malgré tout. Elle doit me laisser partir. J'ai essayé, mais elle écoute rien. Il le faut. L'anniversaire, les cadeaux... Absolument tout ce qui pourrait la rattacher à une fausse version de moi, de nous. Détruis cette illusion et force-la à t'écouter. Mais enfin, tu sais que c'est pas dans mes cordes. Si, ça l'est. Tu n'as pas le choix.
tout cas, je trouve le message du jeu très louable, le deuil. C'est assez chaud de faire un jeu là-dessus, fun et tout. Je sais. En parlant du deuil. Moi, si je suis un jour, je suis mort et que je peux me vite fait faire un message en tant que fantôme, je dirais, mais vas-y mec, amuse-toi, et rigole, hein. C'est pas parce que je suis plus là qu'il faut plus s'amuser. Bon, j'espère que je serai un vieux croulant, que je serai mort dans mon sommeil ou après avoir mangé une bonne pizza. Oh, la mort parfaite. Du coup, moi je dirais, mec, s'il te plaît, pleure pas, non, c'est bon, c'est la vie, je suis mort, mais amuse-toi et rigole. Bien sûr que si. Profite de la vie, tout ça, tout ça. Que c'était juste Carlos. Rappelle-toi de mes blagues. Ça veut dire... Appelle, pas les fails par contre, les fails, faut les oublier les fails, y'a pas besoin de s'en souvenir. Elle va venir. Bam, allez, on détruit déjà le cadeau. Elle a détruit le mensonge, hey, on va faire ça. Mais ça va pas. Je suis désolé, Nikki. Non. Ça peut se réparer. Et ça, ça peut se réparer. Oh putain, on va avoir les mains dégueulasses après. Ah non, pas du tout en fait. Mais mieux comme ça en fait. Maman va venir. Bah y a ça à détruire. C'est pas réel, Nikki. Rien de tout ça n'est réel. Je te déteste. Tu n'es pas mon père. Tu n'es pas mon... Hé, ma puce. Je sais. Tu as tout gâché. Tu as tout fichu en l'air. Maman allait revenir et... Tout ce que je veux, c'est qu'elle soit là. Si quelque chose ou quelqu'un passe cette porte, ce sera pas ta mère. Ça t'en sait rien. Il y a plein de choses que je sais pas. Comment éviter de faire des gaffes ou de me faire arrêter? Comment consoler une jeune fille de 12 ans dont le chagrin plus que légitime pourrait détruire la galaxie? Mais ça... La promesse, Nikki... Je reconnais une arnaque quand j'en vois une. Ça ne te concerne pas. Qu'est-ce que tu fais là, d'abord? T'as raison. Je vais pas te faire croire que je sais ce que tu traverses ou ce que tu ressens. Je sais même pas ce que je ressens. C'est comme... quelque chose... de vide et de lourd en même temps. Je la vois partout, mais dès l'instant où je me concentre, je... Ce sera toujours comme ça maintenant. J'en sais rien. C'est différent pour chacun. Mais j'ai jamais connu quelqu'un comme ta mère. Elle t'aimait. De tout son cœur. Je veux qu'elle revienne. Je m'en fiche que ce soit pas réel. Je veux juste que tout redevienne comme avant, même si ça veut dire refaire ce stupide gâteau pour l'éternité tout entière. Je préfère imaginer qu'elle va revenir plutôt que d'admettre que c'est terminé et que... Ah, mais c'est pas réellement elle. Ma faute. Accusé Roquette. Je ne l'avais pas déconcentré. Je m'étais dépêché. Je sais ce que tu traverses. J'ai été à ta place. J'ai ruminé ma culpabilité en repensant à ce qui s'était passé au lieu de... Ça n'a rien à voir. Et si jamais c'était le cas... Je sais, je... C'est dur de devoir endurer ce que j'ai enduré. J'aurais tellement de choses à me dire si je pouvais faire machine arrière. Tu te serais écouté? Non. Probablement pas. Elle pourrait revenir. Il n'y a que toi qui peux rejeter ce mensonge, Nikki. Et en ce qui me concerne, je sais que c'est pas elle.
Je pense que c'est une chose très méchante qui veut dévorer toute la galaxie. Et tu sais, ta mère, malgré tous ses défauts, ce n'est pas une dévoreuse de galaxies. Mais peu importe ce que je pense, parce que c'est pas ma promesse. Je peux pas la détruire à ta place. Alors, disons que la chose affreuse derrière la porte n'est pas ma mère. Ça me va très bien. Je n'ai aucune idée de... Les autres, comment ils... Je suis censée écraser des gâteaux toute la journée. Ça peut aider de se défouler. Je peux pas tâter de méchant aussi, ça défoule bien. Il y a d'autres moyens. Qu'est-ce que tu fais? Un truc de terrien. C'est ma mère qui me l'a appris. Le principe, c'est d'allumer quelque chose en souvenir d'une personne. Pour lui rendre hommage. Je veux dire, c'est pas magique ou rien de tout ça. Ça fait revenir personne, mais... Tu vois, c'est symbolique. C'est un petit geste pour apaiser un truc moche. Des fois, c'est tout ce qu'on a. Je repense sans arrêt à l'ascenseur. Elle était en colère contre moi. Pas si en colère. C'était juste une maman inquiète. Hé. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seule. Ok ? Mais il y a une chose que je dois faire toute seule. Et pour tout. Putain! Nikki est devenue une super saiyenne! Non, jeune fille! Vous devez retourner à... Maintenant, vous pouvez l'appeler Super Végéta... Nikki! Ah, son père, c'était Végéta depuis le début. Oh, la patate! Oh oui! Oh, dommage, Drac, c'était des belles patates, ça! Bon, à nous de nous en occuper de ce con. Ah ouais, il va le réaspirer. Ouh, la douleur. Ah, c'est bien, c'est le violent se fait violer. Putain, arrête de tricher avec tes boucliers aussi, là. Il vient de battre comme un homme, patate à patate. Bon, t'as qu'un bras, mais... Oh, ah ouais, l'ami, il triche, l'ami des mâches, qui donne la régénération. Là dans l'os. Il faut se battre, sinon Warlock va y passer. Occupez-vous du fan club de Racker. Vas-y, oh putain, Drax, hop là. Deux petites bombes. Oh, ok. Allez, venez là, viens là. Faut que je détruise ça. Oh putain, lui, oh putain. Hop. Ah vas-y, roquette. Elle va exploser. C'est pas juste. Il booste tout le monde sauf nous. Ouais, je sais, mais lui, pour l'instant, il est pas régénéré. Pendant que les autres sont gelés, peut-être que je les aide. J'aimerais bien finir avec lui au moins. Allez. Ouais, c'est bon, déjà un de moins.
C'est bon, les autres ont été gelés. Ça va vous tuer. C'est parti, rassemblement là. On va les défoncer. Quelle bande de ratés! Routez-moi, on peut faire ça les yeux fermés! Thanos chronométrait mes combats, histoire d'en rehausser l'intérêt. Ils ne font pas le poids contre mes lames, Peter Quill. Il faut pas se jouer la relax sous prétexte qu'on connaît les ficelles, ouais. Ok, d'accord, écoutez, on a l'habitude de tout ça, les gars. Le problème, c'est que si on se la joue trop sûr de nous, la moindre erreur risque de nous faire tomber. Alors, on va y retourner. On va vraiment se donner à fond, et on va les faire pleurer! Qui est avec moi? La victoire est à nous! Yes! Allons les défoncer! Bon, moi j'aurais pas de musique, mais vous, je vous aurais mis une musique! Allez! Explique-moi ça! Arrêtez de vous cacher derrière allez. Vos disciples! Une seule chose allez. Pour toi, Gamora! Occupe-toi des disciples! Allez, 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 oui! Oh, c'est déjà fini. Comme dans du beurre. Mantis, réponds. Il va peut-être falloir qu'on dégage. Hop. Oh bah, c'était censuré, mais ça fait mal. Ouais, viens là, Drax. Hop. Oh, ralenti, c'est beau ça. Oh putain. Oh putain. Cet enfant est plus résilient que je croyais. Il vous a utilisé. Allez, ouais, vas-y, avec Gamera, on est deux. Yes. Ouh, on les a défoncés, les mages. Allez, à toi, ticket d'or. Oh, putain. Putain, il se fait de l'autosuggestion sur le sexe. Oh, c'est dégueulasse, pas devant tout le monde, comme ça. Tu peux pas devenir un super saiyan, t'as pas de cheveux. Il a joui, ça y est, il est content. Maintenant, vous allez. Vous avez rien du tout. Super discours. Éclatez-le. Défonçons-le tous sur lui. Ma foi. Drax, vas-y. Ah, ouais. Oh putain, il triche, il se met un bouclier. Maintenant, Peter. Oh putain, j'ai pas eu. Prenez ça. Allez, saigner, Gamora. Oh putain. Faut que je les libère. Allez, vite. Vite. Allez, lui aussi. Oh putain, vite, dépêchez-vous, les gars. Hop, 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 là. Faudrait qu'il... Attends. Là. Putain. Faut lui défoncer son bouclier. Voilà. Vas-y, Gamora. Petite grenade. Oh, et on finit par la grenade. On va tous soigner tout le monde. Merci bien. Oh non, mais c'est pas juste. Il était en animation, du coup, je pouvais pas lui tirer dessus. Wouah, c'est pas juste, mon truc a rien fait parce qu'il était en animation. Allez! Bon, ça fait rien. Putain, elle est en train de tricher! Putain! Oh putain! Ouh! J'ai esquivé, je crois, mais je suis pas sûr! Oh putain! Il m'a glacé! Bien joué! C'est un bordel! Au secours! Oh. Au secours! Je ne t'oublierai pas à vous tuer! Allez! Interdiction de bouger! Tout dans ta gueule! Roquette, en mais. Ouais, vas-y! Drax! Oui! Allez! Ouais, vas-y! Il a trop. Putain, il a trop barre de vie, fait chier! Oh oui! Oh, il est invulnérable, regardez, on le tire dessus, ça fait rien. Ça, par contre, j'aime pas ça quand ils font ça dans les jeux. Ah, l'inspiration de l'âme. Allez! Putain, il a loupé, Drax, dommage. Ça lui fait rien du tout! Bah, je sais bien!
Vas-y, avec Croquette en or. Je vois pas où il est. Ouh putain, j'ai esquivé, je sais pas comment j'ai fait. Oh putain, j'aurais bien fait une foutue patate, mais il a un bouclier. Ouh putain, je crois que je n'ai pas esquivé ça par contre. Ouh putain. On va mettre un petit bouclier parce que j'y vois rien. Je vois un point d'exclamation, je tire dessus. Il a menti. Allez, ouais, c'est bon là, les gars. Vas-y, tiens-le. Non, elle lui fout une patate. Voilà, vas-y, tout le monde sur une patate. Démonstration de puissance. Yes. Je suis prêt à tout détruire. Impossible. Allez, bon c'est long et chiant. J'aurais peut-être utilisé le remplacement pour lui. Ah putain, dommage, ils sont envolés à ce moment-là. Vous avez choisi le côté des perdants, Racker. Hé, continuez de parler comme lui, ça les contenir la corruption. Allez. J'arrive à peine à percer sa carapace. Ah bah je sais bien. En plus ça lui tire plus. Ah c'est bon. Allez, à remouer. Vas-y, on s'y met à deux. Ouais, allez, on soulève. Que ma foi me prédire. Allez, recommence avec son bouclier, ça va être chiant ça par contre. Je vous ai assez entendu. T'es chiant. On peut même pas utiliser nos trucs de. J'aurais aimé qu'on peut utiliser tous nos trucs d'éléments quoi. Le feu, la glace, l'électricité plusieurs fois de suite sur le bouclier pour que ça fonctionne. Et ça marche pas. Ouh. Oh non. Putain non, je peux m'envoler un peu. Attends, je dégèle vite. On dégèle Groot, vite. On sauve Gamora. Allons la soigne. Oh putain, sors vite, sortez vite. Oh putain, ce bordel. Bon alors attendez, on va faire appel à Groot, soigne tout le monde. Il a menti. Allez, voilà, ça c'est bon ça. Vas-y, Rocket avec moi. Ouais, on voit rien mais si je le fais. Oh dommage, Drax, c'était sauté un petit peu trop tard. Allez, c'est plus qu'une valeur de vie et c'est bon. Il n'y a rien qui fonctionne. Oh non, il a éteint la lumière. Putain, mais quelqu'un peut appuyer sur l'interrupteur, s'il vous plaît, je vois rien. J'entends rien. C'est le bordel. Je vais dire dessus, hein. Heureusement qu'il y a un point d'exclamation quand même. Hein. Heureusement que j'ai joué à Metal Gear Solid, les points d'exclamation je sais qu'il faut retirer de dessus quand ils apparaissent. A savoir que, petite anecdote, si vous tirez sur les points d'exclamation des ennemis dans Metal Gear Solid, et ben ils deviennent inconscients pendant quelques secondes. Mais ils deviennent étourdis. Voilà, c'est une info comme une autre. Oh putain. Bon c'est un peu long par contre, le combat j'avoue du Wrecker est un peu chiant parce qu'en fait ils devraient mettre qu'on devrait utiliser tous les l'élément de nos pistolets, la foudre, le gel et tout. Pour retirer un peu le bouclier, mais ça, y a rien qui fait. Ou alors j'ai pas compris. Il sentira presque rien. Non, je lui prends rien. Ouh là, le coup, il a quitté quelque chose. Oh oui, vas-y, Gamora. Ouh, ça, il est affaibli. Finissons-en. Ouais. Terminé. Ouh, oh, il est tout rouge en plus, hein. Ouf. Ça manquait un peu de sound design, mais bon. Non. Oh putain. Non. Oh pitié. Pas si près du but. Oh le sac à bébé. Ah.
Pitié? Il vous a menti. Et à moi aussi. Regardez-le. Regardez-le bien. Mon enfant. Vous avez réussi. Vous les avez tous ramenés. Ah non, mais t'as rien compris, toi, en fait. Bon, bah, je dirais à Cétropéo que le rendez-vous de cet après-midi est reporté, hein. Pardon. Oh putain, il faut qu'il aspire tout ça. Ça fait beaucoup aspirer, quand même. En tout cas, on peut dire qu'avec Adam Warlock, c'est un sacré aspirateur. Hein. Il aspire. Il aime bien aspirer le machin. Avec Adam Warlock, il aspire tous vos soucis. Voyez devant vous. Votre bienveillant gardien de la galaxie. Oh, puis pas notre nom, hein. À nous, des marques déposées. C'est terminé, les amis. D'accord, d'accord. Sur ce coup-là, je m'incline. Ok. Bon, on y va. La foule en délire nous attend. Bon, l'épisode va être un peu plus long que prévu. Toujours comme ça, de toute façon, vers la fin. On met let's play généralement. Ouais. Alors, on a gagné? Bien sûr qu'on a gagné. On devrait sauver la galaxie, monsieur. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que moi, j'ai pas de son parce que c'est une musique de droit d'auteur. Ils auraient mis une musique derrière, mais c'est très drôle sans musique. J'ai fini les promesses pour toi. On a mérité cette victoire, alors savourons-la comme il faut. Oui. Ah oui. Des gens bizarres quand même. Te voilà, mon grand. Nous avons de nombreux éléments à ajouter au rapport. Affaire classée. Pas besoin. Vous aurez un petit chien. Gardien de galaxie. Guider la réputation. Ils ont eu de l'aide. Oh là là. Et d'où est-ce que vous sortez, vous? Gardien cherchait travail. Cosmo toujours courir après problème. Je crois que. Même après la balle, il faut surtout être à la balle. C'est une bonne balade. Oh, pardon, fallait que j'avance. Excusez-moi qui fais avancer les pierres sous. Ouais, youpi, on a gagné. L'épisode va être trop long, personne n'a voulu le regarder. Mais c'est pas grave. Oh, par contre, le costume de Nikki, enfin de Super Nikki. Bon, j'aime pas trop le bleu, le vert. T'es bien battu, des petits amis délicats. La dame me trouve délicat. Et qui est donc cet adorable petit bonbon dans ce joli emballage? Oh, dégoûtant. Lady Elvender. Nous regrettons la mort de ce bête formidable, mais nous saluons leur sacrifice. Elles sont mortes en protégeant la route. C'est une fin honorable. Vous allez regagner Seknarkneuf ? Nous devons d'abord construire une tanière appropriée pour ça. Sans quoi il dévorera toutes les créatures de mon monde. Ah oui, c'est clair. Si jamais il s'échappe, appelez-nous. On vous fera un prix d'amis. On le tuera pas cette fois-ci. On y sert. Ouais, on a Fing Fang Fung. Bon, va falloir nourrir la bête, hein. Sacré vaisseau, j'espère que t'as un gros ration de sacs de croquettes, hein. Ça va coûter cher, cette histoire. Bah, le clair, apparemment, c'est moins cher, hein. Bon, monsieur, sacré pull en buisson. Vous jouez à Fortnite, vous, hein. Ah, le Wall Mike.
Conformément à nos calculs, le dieu doré a joué un rôle clé dans la chute de l'Église universelle de la vérité. C'est une analyse adéquate. Avouez quand même qu'on vous a empêché de prendre la pire décision de toutes vos vies collectives, non? Deux fois. Deux fois l'analyse de vos données supplémentaires a en effet ajusté certains calculs. Ah, c'était pas du tout forcé, ça. Ouais bah dites-le que vous avez été de la merde et qu'on a fait votre boulot à votre place hein, aussi hein, police du temps, police de l'espace. World Mind de merde, hein. Ça, on se demande à quoi il sert vraiment. Ah, j'avais oublié le lama. Le mal d'espace. C'est vrai qu'on a la lama d'espace. On va peut-être le ramener chez lui, non? Ah oui, en plus il y a une hyper vitesse. Qu'y a-t-il, animal? Oh, je l'aime bien lui, en fait, finalement. Insupportable quadrupède. Hey, en fait, nous aussi un des gardiens de la galaxie. Il va te montrer ta chambre. On n'a pas de chambre libre. De chambre libre. Quoi? Et alors là, ça fait de la vie. Et tu lui donnes la tienne, Groot? Moi, j'ai plein de trucs précieux dans ma pioule. Je suis contente qu'on ait cette fin-là plutôt qu'une des fins tristes. Il y avait combien de fins tristes au juste? Oh, beaucoup trop. Ah, pas dans le jeu en tout cas. Il n'y a qu'une seule fin dans le jeu. Ils n'ont pas été jusqu'à faire plusieurs fins. À toi, là. Toi d'abord. Je n'en ferai rien, j'insiste. Non, moi j'insiste. Je t'en prie, vas-y. Cet absurde concours de politesse ralentit mon coup. Ouais, et c'est pourquoi je te laisse l'honneur. Fort bien. Alors, je passerai le premier à mon corps. Quoi? J'ai pas compris, mais ok. Et hop, papier de jeter. Hop, contre la nature. Allez hop, super, on va devoir avoir une amende parce qu'on a jeté les papiers sur la voie publique. Bah bravo. J'ai déjà payé mon amende, c'est bon. Pas plus. Wouh. Et c'était les gardiens de la galaxie. Ne partez pas tout de suite. Bon. Il y a un bonus, je l'aurais dit au cas où, jusque là. On a le ciel pour seule limite. Et ce n'est pas une limite. On pourrait braquer une banque. On est à la dèche. Waouh. Je veux pas braquer une banque. C'est illégal. Et... super marrant. Tu vas corrompre cet enfant. Du calme, Brax. C'était une suggestion. Une idée potentiellement très très lucrative. Et ben alors, ça va pas, mon canari? Une digestion difficile. Pas de quoi s'inquiéter. Ok. Y a des toilettes à l'arrière, hein, au cas où. Alors, Mantis, tu vas faire quoi maintenant que l'univers est en sécurité? Je sais pas. Je crois que je vais retourner sur la Mantis. Quoique, il paraît qu'on est bien sur Terre à ce moment de l'année. Oh! Ou alors je pourrais essayer contre Axia. Ils ont des jeux d'argent. On devrait pas laisser un peu de temps à contre Axia pour... C'est pas un peu de la triche, tu vas jouer des jeux d'argent vu que tu vois un peu dans l'avenir, en plusieurs réalités, mais bon quand même. Sérieux, mon grand... Oula. Ouais. Oh non, t'as vraiment oui, pas la trousse de secours. Je sais faire les premiers soins. On n'a pas de trousse de secours. Qu'est-ce que tu racontes, toi? On en a une de trousse de secours. Le ruban adhésif, ça compte pas. Il a juste besoin d'une ligne. On va peut-être acheter une trousse de secours. On s'est jamais vu les problèmes qu'on ne a, les gars. Ne tracassez pas pour ma personne. Je suis dans une forme. Éblouissant. Ah okay. Oh, c'est pas vrai. T'as du mascara sur les yeux. T'es un fan de Queen? Ah, tu es Wood, ok, d'accord. Ah, quoi ça? Wow. C'est quoi ce délire? Le chapitre caché.
J'espère que vous n'êtes pas partis. Pour ceux qui sont partis, ils ont loupé la vraie fin. Le Magus. Oh oui. C'est dans celle-là que le dieu doré est dévoré par le mal et essaie de détruire la galaxie. Et je crois qu'il y parvient. Pourquoi j'entends la punaise dans ma tête, moi? Parce que je suis dans vos têtes à tous. Comme ça, le Magus ne peut pas entendre votre super plan. Quel plan? Oh bah ça, c'est à vous de le trouver. Lui, moi, et le destin vont trois. Ouais, et on va tous mourir. Ma dernière forme, la nouvelle norme. Et la pierre? Quand cette chose nous a attaqués, ma mère et moi, elle était terrorisée par la pierre. Oui, j'ai aussi ressenti sa peur de la pierre. Oh oui, la pierre ancestrale, l'une des six, c'est la seule chose capable de contenir l'âme toute puissante du Magus. Ok, ok. Ok, donc on doit l'attirer près de nous et lui lancer le caillou magique dessus. Exactement. Pauvre petite miette insignifiante. Ouh, que tu es en train de mijoter. Mantis, comment on fait pour attirer l'affreux? Prosternez-vous devant le maître de tout. En faisant ce que vous faites le mieux, gardien. Non, pas en étant gentil. Je pense qu'elle veut dire en se montrant exaspérant. Si quelqu'un peut mettre un dieu en rogne... C'est bien nous. Allez, genoux à terre pour vénérer votre dieu. Mais vous reverrez ça dans le prochain épisode. Et oui, la vraie fin, ce sera dans le prochain et sûrement et dernier épisode, tout simplement. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est Kratos. On se retrouve pour le dernier épisode. J'espère que en tout cas ça vous aura plu. Pour ceux qui se sont barrés, il y en a peut-être qui se sont barrés. Ce serait pas drôle en fait. Triste parce que la fin quand même bien. La vraie fin, non? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, dites-moi ça dans les commentaires. Allez, salut tout le monde et portez-vous bien.